州太极拳邀请赛2009年，徒手对练。C'est que en dehors des mouvements, on apprend aussi une attitude et des éléments d'une culture qui nous est souvent étrangère, que ce soit la japonaise, la chinoise, la coréenne, qui viennent effectivement de l'autre bout du monde. Et c'est donc un autre aperçu sur les choses et la vie, la philosophie, qui est très intéressant et qu'on apprend à travers les disciplines, effectivement. C'est la définition d'un art martial, en fait. C'est la transmission d'un art de combat et d'une façon de vivre ou de voir les choses. Wushi Taijiquan. C'est une taijiquan qui est très très jolie. Les mouvements rapides. Taijiquan, l'anti-tijan. Taijiquan. Dynamique. Thank you.
Les mouvements sont comme la danse, mais il y a les techniques de combat dedans. Donc on peut faire du combat et en même temps, on peut voir que c'est beau, c'est très joli. Tout le billet qu'il y a des arts martiaux chinois. Aussi pour les jeunes, pour les moins jeunes et les très moins jeunes, qu'on puisse pratiquer ça à tout âge en fait, et que c'est une très bonne chose pour la santé. L'éventail comme une arme. On peut mettre les couteaux sur l'éventail. La pièce est très fine, ça peut couper comme une feuille de papier. Contact. Keishu. Jin. Avec un guzheng et d'autres instruments traditionnels chinois.
杨氏太极刀。On a vu en fait tous les aspects, de l'aspect très interne, énergétique, jusque l'externe vraiment combatif. Je crois que c'était bien de voir tous les aspects.